Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai procédé au tirage de cartes des énergies du week-end du 4 au 5 janvier 2020, déjà 2020. Pour ce faire, j'ai utilisé l'oracle de vous à moi, l'oracle que j'ai créé, ainsi qu'une carte des anges de l'amour et pour finir, un message de nos archanges pour vous. Donc, tout d'abord, avec les cartes de l'oracle de vous à moi, nous avons une femme âgée, plutôt âgée. Il y a un obstacle avec cette femme et il y a du magnétisme. Est-ce que vous êtes lié à une femme qui est plutôt âgée, mais vous avez un problème de communication avec elle, ou une personne qui vient du passé aussi qui est plutôt âgée, ça peut être votre mère, votre grand-mère, ou une amie très proche et que vous considérez comme une amie, plus qu'une amie, quelqu'un de la famille, hein. En tout cas, il y a un obstacle, on nous dit, hein, peut-être une incompréhension entre vous. Mais il y a comme du magnétisme entre vous, donc il y a un lien quand même qui vous unit. Mais effectivement, on nous dit qu'il y a un obstacle entre vous pour ce week-end. Ensuite, avec l'oracle des papillons que j'ai créé, nous avons des contrariétés, donc est-ce que ça rejoint l'obstacle, et des erreurs et pardons. Donc, ça rejoint peut-être un petit peu avec les obstacles, je dirais, une femme âgée qui a besoin de se faire pardonner ou vous faire pardonner par rapport à cette femme âgée, par rapport à quelque chose qui s'est produit. Mais en tout cas, vous êtes contrarié parce que vous avez un lien avec cette personne plus âgée. Et vous avez fait des erreurs ou la personne a fait des erreurs et il y a besoin de se faire pardonner ou d'être pardonné. D'accord? Voilà. Le message de nos anges de l'amour pour vous. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc si vous êtes en couple, on nous dit peut-être que ça ne va pas très bien dans le couple, mais laissez une chance à votre couple car il y a besoin de travail. Hein. Toujours raviver la flamme, hein, ne pas laisser s'entretenir une certaine routine. Hein. Et est-ce que c'est en lien avec justement l'obstacle et la personne? Peut-être que vous êtes un couple déjà uni depuis plusieurs années. Il y a vraiment une union, un lien très très fort. Et en ce moment, peut-être qu'il y a des obstacles ou un problème de communication. Mais en tout cas, on nous dit le message pour vous, laissez une chance à votre relation. Tout va bien se passer. Et pour finir, pour vous, une très jolie carte, beauté. C'est l'archange Jophiel qui vous transmet ce message pour vous. La beauté est l'amour universel. La beauté est au fond de votre cœur. Nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout votre amour. Je le dis très souvent, hein, la plus belle énergie, c'est vraiment l'amour. Et voilà l'archange Jophiel qui vous transmet ce beau message. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. À très bientôt les papillons!